On est rendu à la 5e activité avec Christo. Puis on est où, là? Déjà 5. Là, présentement, on est à 40 km de nos bureaux. On est à Saint-Damas, au camping plein air de Saint-Damas. J'ai décidé de t'amener là cette semaine parce que des activités, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. OK? C'est vraiment un beau camping pour faire des activités de plein air. Premièrement, ben il y a la plage où on est présentement. À cette plage-là, ben on peut se baigner, on peut faire du canot, du kayak, du pédalo et une nouveauté cette année, du paddleboard, hein, de son nom planche anglais. Planche à pagaie, exactement. Sinon, il y a aussi une piscine chauffée. Il y a un terrain de pétanque, un terrain de mini-golf. Il y a aussi un terrain de soccer et plein d'autres terrains pour faire du sport. Il y a aussi un terrain de volleyball et plein d'autres. Vous irez voir sur leur site internet, tout va être là. Puis sinon aussi, il y a deux autres activités qu'on va essayer aujourd'hui. Premièrement, il y a une trampoline géante que je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment hâte d'essayer ça, la trampoline géante. Ça oui. Puis une autre que moi j'ai vraiment hâte d'essayer, vous rouillez un peu moins, c'est une grande glissade d'eau gonflable. Donc ouais, moi j'ai vraiment hâte, mais je la fais pas. Tu peux pas ne pas la faire. Je veux dire, s'est déplacé. Moi je la fais pas. Je te dis, si je pense que si tu la fais pas, j'arrête de te parler. On fait comme si on ne se connaît point. Tu peux pas juste. Non. Faut que tu la fasses. Je suis l'animatrice du show. Ah, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, tu marques un point là-dessus. Quand qui disait là, c'est pour les enfants. C'est vrai. Non, c'est chaud. Yeah. saute. Mais je me sens lourd, genre, mais ça faisait cette trampoline. Hey, c'est important de le dire, par exemple. C'est vraiment juste pour les enfants. Nous, c'est parce qu'on voulait, on n'avait pas d'enfants avec nous, donc il fallait faire le test, là, mais c'est que pour les enfants. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était dangereux. Fais pas ça, c'était adulte. Fais pas ça. On est privilégiés. Ouais. Mais c'était pas tant une bonne idée. Non. Non, c'était pas un plan si génial, finalement. On vient de faire les deux activités dont on vous a parlé au début. Je suis tout mouillée! Elle l'a faite finalement! Elle l'a réussi, je l'ai convaincue. Donc, à noter, camping basse plein air de Saint-Damas. Pour vrai, c'est un beau camping qui propose plein d'activités qu'on voit presque nulle part. La trampoline, je sais qu'il y en a une autre à cause d'obstacle, mais l'autre activité, la glissade d'eau, je pense que c'est la seule place dans la vallée où on peut trouver ça. Donc, juste wow! Vraiment. Puis, ce que la propriétaire m'expliquait, c'est qu'ils vont en construire une autre encore plus grosse qui va arriver sans doute en août. Donc, à surveiller, camping basse plein air de Saint-Damas. Puis, pour ce qui est des activités, on va faire un petit retour, hein? La première activité, c'était vraiment le fun, mais on avait clairement plus l'âge de faire ça. C'était dangereux, gang! Dangereux! Ça avait pas de sens, parce que je pense qu'on a un poids trop lourd
pour la trampoline. Donc, quand on saute, on va trop haut, puis on perd le contrôle de notre corps. On n'a comme pas eu le choix, parce qu'on n'a pas d'enfants dans l'équipe, fait qu'on n'a comme pas le choix de le faire pour vous montrer, mais c'est pour les enfants. C'est vraiment pour les enfants, c'est vraiment pas recommandé pour les adultes, là. Fait que... Mais l'autre activité, c'est tous âges, là, la glissade. Puis ça, moi, pour vrai, j'ai trippé. Ça doit se voir à l'écran, là. Il y avait un petit cul à moi, là, qui est revenu, là. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Toi, je sais pas comment t'as vécu ça. C'est correct, là. Non, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? C'est parfait. Donc, c'est tout ce qui va compléter la chronique Quoi faire en fin de semaine de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre activité.